toi, moi, le DFG, les Champs-Élysées. Wir wurden ja irgendwie angefragt, was über den Élysée-Vertrag zu sagen. Hatten wir das nicht damals in der 10. oder so? Ouais, t'as raison. En cours d'histoire, il me semble. An was dachtest du denn, als du Élysée-Vertrag gehört hast? Élysée-Vertrag, bah, je pense comme tout le monde ici, aux Champs-Élysées. Et toi? Am Palais de l'Élysée, aber irgendwas muss es noch geben. C'est vrai, Palais, les Champs. Il y a les Champs-Élysées aussi. Aber Axel, das hast du doch gerade vor 5 Sekunden gesagt. Ah non, pas assez Champs-Élysées, les autres Champs-Élysées. Regarde, il y a une photo. Mais bon, après réflexion et quelques recherches, on s'est rendu compte qu'on était, mais alors, totalement à côté de la plaque. En fait, le traité de l'Élysée est quelque chose de totalement différent. Ja, stimmt. Es ist was viel Wichtigeres, was all unsere Leben geprägt hat. Und außerdem ist er heute 60 Jahre alt geworden. Joyeux anniversaire! C'est sûr que ça a beaucoup impacté nos vies. Et d'ailleurs, sans ce traité, on ne serait peut-être même pas là. Da hast du recht. Wahrscheinlich hätten sich auch unsere Eltern gar nicht kennengelernt. Es ist also absolut keine Selbstverständlichkeit. Und wie du ja weißt, waren Deutschland und Frankreich sehr lange verfeindet. Es gab viel Krieg, viele Tote und vom Gedanken einer Union waren wir alle sehr lange entfernt. C'est vrai ça. Mais comme nous le savons tous, il vaut mieux faire l'amour que la guerre. Et c'est ce qu'ont compris nos parents et aussi Charles de Gaulle et Konrad Adenauer en 1963, ce qui a donc mené au traité de l'Élysée. Ab dem Zeitpunkt hat die deutsch-französische Zusammenarbeit begonnen. Es gab viele Austausche und untereinander regelmäßige Treffen, die für den Frieden in Europa verantwortlich waren. Mais en fait, Tiffany, on ne s'est même pas encore présenté. Stimmt, wie unhöflich von uns. Lass uns das sofort machen. Eh bien, bonjour à tous. À ma droite, vous avez Tiffany Guilmet, 18 ans, qui est donc mon ancienne camarade au DFG LFA de Sarrebruck et qui étudie désormais les sciences humaines et sociales à l'université Heinrich Heine de Düsseldorf. Alles richtig, Glück gehabt. An meiner Linken ist der liebe Axel Wietz, auch 18 Jahre alt und studiert International Relations an der Hochschule Rheinwahl in Kleve. C'est ça. On pourrait se demander, et d'ailleurs vous vous demandez sûrement, pourquoi on nous a demandé à nous de faire ce discours. Et je pense que c'est parce que nous deux représentons parfaitement cette nouvelle génération issue de l'amitié franco-allemande. Sehe ich genauso. Ich meine, du bist in Saarbrücken geboren und wohnst dein Leben lang in Sarreguemines. Oui, c'est vrai. Et toi, tu es né en France, mais tu habites en Allemagne. Et c'est pareil pour nos parents. Ton père est français et ta mère est allemande, alors que moi, c'est l'inverse. C'est mon père qui est allemand et ma mère qui est française. Ich finde, du und ich sind der lebendige Beweis einer deutsch-französischen Freundschaft, die dann doch letztendlich zur Liebe wurde. Dementsprechend war das DFG die perfekte Schule für uns. Wir konnten jeden Tag unsere Bikulturalität ausleben, beide Sprachen anwenden. Und das, was uns von allen anderen Schulen unterschieden hat, hat uns auch im Endeffekt alle verbunden. Aber was hat dir denn damals an unserer ehemaligen Schule so gefallen? Eh bien, je dirais la mixité presque parfaite des cultures et des langues. Il n'y avait pas les Allemands d'un côté et les Français de l'autre, mais un groupe assez homogène qui avait d'ailleurs inventé une nouvelle langue, un mélange de français et d'allemand dans la même phrase. Qu'en penses-tu? Ich bin mir sicher, wir hätten viele Freunde, die wir jetzt haben, nicht kennengelernt. Wahrscheinlich hätten wir uns auch nicht kennengelernt. Ce serait vraiment dommage. Seit der Mittelstufe hatten wir verschiedene Fächer auf beiden Sprachen. Und in der heute so stark globalisierten Welt kann es nur eine gute Kompetenz sein, mehrsprachig zu sein. Aber Axel, sind wir mal ehrlich, jetzt wo wir beide in NRW wohnen, fehlt uns nicht die Samoselle-Region. Das, was für uns so selbstverständlich war, ist in unserem neuen Alter komplett weggefallen. Oui, c'est vrai que ça me manque. Et c'est vrai qu'on se rendait pas compte que traverser une frontière librement comme ça, quand on le veut, c'est une chance et ce n'est clairement pas le cas partout. À vrai dire, en fait, on ne se rend même pas compte qu'il y a une frontière. C'est comme si la France et l'Allemagne ne formaient qu'un seul et unique pays. La Prallemagne. Ja, genau das ist es. Guter Vorschlag. Für uns ist es seit Geburt eine Selbstverständlichkeit gewesen. Doch das erste Mal, wo wir uns einer Grenze in unserer Region bewusst waren, war bei Corona. Unser doch so geliebtes Prallemagne war plötzlich nur noch Frankreich und Deutschland. Und die doch sehr einfach über
die doch sehr einfach übergrenzbare Region ist plötzlich weggefallen. Uns ist dann doch bewusst geworden, dass es zwei unterschiedliche Länder mit ihren eigenen Regelungen sind. D'ailleurs, un des éléments les plus importants de notre région, c'est justement cette frontière, qui est parfois même vitale pour certains d'entre nous. Tous les travailleurs frontaliers, ceux qui pratiquent une activité sportive ou culturelle dans l'autre pays, ou tout simplement les résidents d'un pays qui viennent ou qui ont des proches dans l'autre, ont très bien compris l'enjeu de cette frontière quand elle a fermé. Da kann ich dir auch nur zustimmen. Ich erinnere mich auch an die Saarbahn, die gar nicht zu dir nach Saarbrücken fahren konnte. Ouais, je m'en rappelle aussi. C'était l'horreur. Surtout pour moi qui devais tous les jours aller en Allemagne. Wir bemerken also, dass wir direkt vom Vertrag betroffen sind und dass er für unsere Region eine hohe Wichtigkeit hat. Aber er geht auch über die Ebene hinaus. Wir wollen einen Schritt weitergehen. Dieser Vertrag war ein wichtiger Bestandteil der europäischen Mentalität. Nur wenn die Länder der EU mit ihren jeweiligen Nachbarländern eng miteinander kooperieren, ist ein dauerhafter Friede in der EU möglich. Et d'ailleurs, cette paix a été possible grâce à cette amitié si forte. On peut donc en toute humilité dire que le traité de l'Élysée est un des socles fondateurs de l'Union européenne. Cette amitié, ou plutôt cette cohésion, est clairement une pièce maîtresse de cette stabilité en Europe et devient d'autant plus importante quand on se rend compte que la guerre est à nouveau à nos portes. Axel, irgendwie ist mir das gerade alles ein bisschen zu ernst. Ah ouais, je crois que je suis en train de casser l'ambiance un peu. Ouais. On n'est pas là pour parler que de politique. Parlons plutôt de nous, de notre vie de tous les jours. Oui. Tiffany, être franco-allemand, c'est quoi au quotidien? Gestern Abend noch l'apéritif mit meinen Eltern und Galette des Rois als Dessert gegessen. Ah bah ça, c'est typiquement français. Und vor ein paar Stunden habe ich noch aus meiner Bananenbrotdose gegessen. Ah, par contre, ça, c'est typiquement allemand. Aber echt. Aber Axel, woran merkst du denn deine Doppelnationalität? Eh bien, je remarque que quand je suis en France, je me sens bien, je me sens chez moi. Et quand je suis en Allemagne, je me sens bien, je me sens chez moi. Genau so ist es, so fühle ich mich auch. Ich fühle mich nicht wie, als wäre ich eine Touristin in Spanien zum Beispiel. Ich bin auch ehrlich gesagt stolz, beide Nationalitäten zu haben. Oui, et d'ailleurs, quand je suis en vacances et qu'on me demande dans des Viennesses d'où je viens, je réponds toujours France et Allemagne. Je remarque aussi que quand je te parle, Tiffany, vous avez sûrement remarqué que Tiffany me parle en allemand et je lui réponds en français. Eh bien, au-delà de ce discours, c'est comme ça qu'on parle dans la vie de tous les jours, depuis maintenant 8 ans. Stimmt, genau so reden wir echt seit 8 Jahren. Aber in welchen Situationen merkst du denn besonders, dass du in beiden Ländern gleich viel gebunden bist? Eh bien, je dois dire que récemment, j'ai vu qu'être français et allemand a eu un petit avantage pour moi. Durant la Coupe du Monde, quand l'Allemagne s'est fait éliminer, j'étais triste, j'étais déçu, mon cœur allemand a saigné. Mais bon, heureusement, il y avait toujours la France à supporter. Boah, Axel, du immer mit deinem Fußball, viel wichtiger und emotionaler war doch der Brand in Notre Dame. Mein französisches Herz hat geblutet. Oh oui, le mien aussi, quand la France a perdu en finale. Comme aujourd'hui c'est le 60e du traité de l'Élysée et qu'un anniversaire important comme celui-ci, la coutume veut que l'on fasse des vœux, eh bien faisons des vœux. Tiffany, quel vœu ferais-tu pour cette amitié? Mich persönlich würde es freuen, wenn sich viele andere Länder an dieser Freundschaft ein Beispiel nehmen würden, bezogen auf ihre Bindung, die enge Zusammenarbeit, das Durchsetzen europäischer Werte. Die Vergangenheit sollte trotzdem nie vergessen werden. Somit wurden frühere Weltkriegsfeinde heute zu essentiellen Partnern in Europa, vom Feind zum Freund. Bien dit. Je souhaite également de tout cœur que cette amitié persiste et tienne bon, malgré les défis des temps modernes, et surtout que plus jamais nous ne soyons des ennemis. Auf die Freundschaft. Oui, trinquons. Enfin, pas tout de suite. Nous allons devoir encore attendre quelques minutes. Das war's jetzt von uns aus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Okay.